Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Si vous êtes là aujourd'hui, si moi aussi je suis là, c'est tout simplement parce que je voulais vous présenter en revue, faire une petite revue du navire, de vous présenter peut-être pas en détail, mais de vous présenter les nouveautés qui ont pu apparaître, parce que j'en suis assez fier de ce navire. Et il y a pas mal de nouveautés que vous, pendant la vidéo, pendant le genre de timelapse, vous avez peut-être pas forcément vu. Donc alors on va commencer. Ah, attendez, je vais juste régler ça tout de suite. Voilà. Alors on va commencer par le commencement, de là où j'ai commencé, évidemment. Pas forcément, mais je préfère faire comme ça. Alors, pour ce qui est de la coque, comme vous pouvez le voir, je suis pas super fier non plus. J'ai pas fait de grandes prouesses. Faudra que j'essaye de m'améliorer dans ça. Là, il y a un gros défaut ici. Là, je sais pas si vous voyez le fait que ça fasse comme ça et ensuite ça tombe ici quasiment raide. J'aurais pu le régler, mais puisque j'ai déjà filmé, c'est un peu dommage. Donc, pour la coque, je vais essayer de m'améliorer. Je ferai peut-être des prototypes sur un monde super plat là. Alors, ensuite, pour ce qui est des canons, bon, alors d'abord pour l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est pas comme j'ai fait d'habitude, c'est pas des. Pour ce qui est du pont inférieur, bien sûr, ce n'est pas des demi-dalles. Non, c'est pas des demi-dalles, des. Merde. Des enclumes, c'est pas des enclumes que j'ai mis. Simplement parce que je trouvais que ça faisait trop petit, ça faisait pas assez imposant pour le navire. Du coup, je me suis dit que pour marquer la différence de calibre sur les ponts. Sur les ponts supérieurs, puisque souvent c'est des calibres qui sont largement plus petits que ceux qui sont en bas, je mettrai donc je garderai le système de faire des demi. Oh merde, excusez-moi, des enclumes. Et là, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, ici ça va jusqu'à là-bas, et j'ai mis là-dedans aussi. J'ai mis donc des. J'ai essayé de refaire des canons. Donc j'ai mis tout simplement de la laine pas noire, parce que j'ai mis de la laine grise foncée. Donc ça c'est pour imiter les roues, et ça c'est pour imiter l'espèce de socle en bois, je sais plus comment ça s'appelle. Oh merde, excusez-moi. La pluie qui vient au mauvais moment, je reviens tout de suite. C'est bon, connerie. Alors ouais, où en étais-je? Oui, alors. La mèche, hein, vous l'aurez compris. Là, pour pas que ça fasse trop monotone, j'ai mis des boutons parce que je faisais ça dès le début, hein. Le premier navire que j'ai fait, c'était le. Il me semble que c'était le Queen Age Revenge. C'est celui que j'ai fait en premier. Enfin, c'est pas le tout premier navire, mais c'est le tout premier navire où j'ai commencé à bien m'y mettre. Et puis j'avais fait des canons de la sorte, là, comme ça, et j'avais mis un petit bouton. D'ailleurs, c'est là où c'est la première fois que j'avais fait des canons aussi sur le pont. J'avais fait des canons aussi avec des enclumes. Enfin bref, c'est pour l'anecdote. Oups. Quoi, qu'est-ce que je pourrais donc là, j'ai fait tout ce qui était en bas. Non, j'ai pas tout fait. Alors, là, il y a la barre. Bon, rien de plus simple, hein. J'ai envie de dire, si on se met comme ça fait un peu gros, mais enfin. Voilà. Le drapeau, je vous expliquerai après le logo vite fait. Watch, désolé. Les canons ici, il y en a aussi sur la proue. C'est sympa là, les rayons du soleil. J'avais jamais remarqué. Voyons. Donc là, si on se met comme ça, attends, à peu près à la hauteur. On va garder l'ombre quand même. Ça fait une courbure comme sur le vrai navire, même si normalement les fenêtres sont un peu plus petites quand même. Là ici, donc c'est un, j'ai alterné or et quartz, parce que sur le navire il y a pas mal de, je sais pas pourquoi. Normalement ici il y a des, vous verrez, il y a des seaux de quartz avec comme des visages dessus, je vous montrerai. Du coup je me suis dit qu'interner ça pourrait être sympa. D'ailleurs ici avant il y avait des simples dalles de bois, du coup j'ai mis du quartz pour que ça soit sympa. Là aussi, lanterne. Avant, je faisais des lanternes exclusivement comme ça, ou alors je mettais juste
un glowstone de plus du coup sans ces deux là maintenant je trouve qu'avec les comme ça aussi c'est copié sur un camarade les escaliers un à l'envers un à l'endroit ça fait bien enfin ça fait bien la forme je suis en train de vous montrer avec mes doigts mais c'est complètement bête c'est inutile je vais essayer de le faire comme ça là. Voilà les coulis les poulies alors il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai encore une fois j'ai copié du coup je voulais pas en mettre partout je trouve que ça rend bien ça donne un peu plus de différence au navire enfin de différence comment dire de petits détails quoi surtout quand on regarde de profil parce que c'est là quand on se met de face on voit pas vraiment la figure de proue alors c'est censé imiter j'ai un peu fait aléatoirement c'est censé imiter enfin normalement sur le vrai navire c'est il y a un mec avec un gourdin je vous montrerai je sais pas pourquoi c'est censé être enfin non justement ça doit être Hercule évidemment je pense puisque la frégate s'appelle Hercule tiens excusez-moi je déteste quand ça fait ça les petits bugs ici alors cette voile je sais pas comment on l'appelle celle qui est, celle qui est accrochée au Malbeaupré alors j'en suis pas super fier hein, je sais pas vous mais je trouve que ça fait bizarre là on dirait que on est en train de l'écarteler si on la regarde comme ça enfin, ça fait vraiment bizarre faudrait que j'ai essayé une nouvelle technique du coup c'est pour ça que ça a loupé j'en suis assez fier de ces deux voiles, surtout de celle-ci et de celle-ci. À vrai dire, c'est les, c'est un peu celle que j'essayais de faire nouveau, de d'innover là. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'avant je faisais des, avant je faisais un vieux truc genre, on va dire que je me faisais pas chier pour être vulgaire. Voilà, je faisais un truc genre dans le genre, ça montait comme ça, c'était. Bon, bien sûr, j'essaie d'améliorer le truc à chaque fois, mais là et maintenant, j'ai mis tout simplement des cubes en diagonale comme ça. Et par-dessus, j'ai rajouté des. Pourquoi il meurt lui? Je ne sais pas. Des escaliers, bordel. Oh. Je sais pas pourquoi j'oublie mes mots comme ça. Ici donc les flèches de mât nouveauté aussi on m'a conseillé de faire comme ça puisque elles sont pas toutes droites hein, elles sont au centre c'est gros et puis plus on s'éloigne vers les boucles ça devient de plus en plus petit ici alors ça aussi grande nouveauté ceci là je sais pas comment ça s'appelle il y en a un ici il y en a un ici aussi et ici aussi. Sur le navire, c'est rond, mais on. Mais c'est possible que ça fasse. Je sais pas comment c'est quoi la forme, mais je vais essayer de vous montrer vite fait. Même si je sais que je perds du temps, là, mais c'est pas grave. Je préfère être clair. On va démarrer d'ici. Voilà. Ça fait un truc dans le genre. Tac-tac. Ça fait un peu ovale, je sais pas. Je sais pas si vous voyez, mais enfin bref. C'est souvent comme ça sur les navires, c'est rarement rond, j'ai vu. Enfin, c'est rarement rond. Rond, pardon. C'est. Moi, je vois pas souvent des navires avec des trucs comme ça ronds. Alors, pour ce qui est des voiles que je vous disais tout à l'heure, donc en fait, ce navire. Donc il est repris d'un jeu, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et dans le jeu, puisque c'est le mien, j'appartiens à une société et ils m'ont passé des voiles. Un motif de voile, donc en fait c'est un rond, un cercle avec une tête de mort avec des. Je sais plus si c'est des os ou des sabres, il me semble que c'est des sabres. Et avec. Avec le nom de la société qui est Black Skeleton, c'est pas super recherché, mais enfin bon. Ils sont sympas, ils sont pas méchants. Là, pareil, j'ai essayé de faire un logo vite fait, et là, je sais pas c'est quoi. C'est aussi un logo, mais faut pas chercher à comprendre, c'est juste pour le décor. Eh bien, je pense que. Oups, excusez-moi. Je pense que je vous ai tout montré. Il n'y a plus trop de secrets maintenant.
Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je pense pouvoir essayer, je vais essayer d'apprendre comment faire pour mettre en ligne une map. C'est-à-dire que de la mettre sous format WinRAR, ça, c'est vraiment très beau. Hein. Excusez-moi, mais j'avais jamais remarqué qu'avec les Water Shaders, il y avait des rayons comme ça. Je trouve ça très classe. Mais enfin, bon, je vais essayer de les mettre sous WinRAR et de le mettre sur un site, de mettre le lien dans la description. Comme ça, vous aurez la map. Ça pourrait être sympa. Bon, et puis, dernier petit truc là pour faire genre des. Parce qu'il y a toujours des petits. Le truc qui tient les cordages ici. J'ai pas pu faire là, c'est dommage, mais enfin bon. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Salut. Voilà la bête. Donc, les seaux dont je vous parlais. Les trois lanternes. Le Jolly Roger, pardon. Le fameux logo. Enfin, l'emblème plutôt. Excusez-moi. Là, il n'y a qu'une voile, mais j'ai préféré en faire deux. Là, il n'y en a pas du tout. Parce que sur jeu, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de voile latérale. Il n'y en a jamais. La figure de proue avec le gourdin. Là, l'homme de Cro-Magnon. C'est même pas Hercule. Enfin, je connais pas après. Mais le canot de sauvetage ici. Et. Je pense que c'est tout. Ouais. Et bien là, cette fois-ci, je vous dis vraiment bon rétablissement si vous êtes malade, si jamais. Voilà, voilà. Ah, petit bug. Regardez, il n'y a plus la. Cette flèche de mât disparaît. Je sais pas pourquoi. Bon. Et bien à bientôt. Et bon, pas bon rétablissement. Qu'est-ce que je dis? Portez-vous bien. Voilà.